Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans Opium Découverte, décidément ça fait beaucoup en ce moment, j'avais envie de vous présenter un petit jeu qui m'intriguait pas mal, il s'appelle Breached, développé par Drama Drifters, et sorti ce 22 juin 2016 sur PC, et que sur PC car tout le jeu va se dérouler à l'aide de la souris uniquement. Alors petit jeu parce qu'il s'agit aussi d'une expérience vidéoludique plutôt courte, et en même temps il est disponible sur Steam à 6,99€. Étant donné que le jeu est assez court, je ne vais pas vous spoiler trop le jeu, mais surtout vous présenter les éléments de gameplay. Ce sera à vous de vous faire une idée si le jeu peut vous plaire ou pas. Alors l'histoire se déroule en 2245 et on commence en se réveillant d'un très long sommeil cryogénique. Pour des raisons inconnues, on retrouve notre abri endommagé. Le monde a été réduit en miettes et personne ne vit dans les alentours. Il ne reste que d'énormes installations en ruine. Notre but final sera décomposé en deux. Tout d'abord, il faudra réparer notre abri et ensuite synthétiser du carburant. Le gameplay va lui aussi donc être décomposé en deux, une partie dans notre abri, la partie disons gestion de ressources, et l'autre partie consistera à explorer des zones désertiques afin de trouver les fameuses ressources. Pour accomplir notre mission, nos deux missions en fait, nous n'aurons que 8 jours, et chaque jour est limité par des points d'action ou d'énergie, et si on n'en a plus, il faudra passer à la journée suivante. Alors c'est ici que je vais vous résumer brièvement le gameplay afin de finir le jeu, sans trop en dire bien sûr. On commence par la partie exploration, nous sommes aux commandes d'un drone qui peut donc voler, mais seulement à quelques mètres du sol. Nous allons parcourir des zones désertiques afin de rechercher des minerais, il y en a 3, alpha, bêta et gamma, qui nous permettra de synthétiser du carburant. Ce sont des points fixes sur la carte qu'il faudra moissonner et ranger dans un des 3 compartiments de notre drone. Quand nos 3 cases sont pleines, il faut retourner au point de rappel afin de revenir à la partie gestion dans notre abri. Il faut aussi retrouver des capsules qu'il faudra hacker et nous donnera aléatoirement des pièces afin de réparer notre abri. Donc on a 3 compartiments, soit on prend 3 capsules, soit on prend un alpha, un bêta, un gamma, soit une capsule ou 2 bêta, enfin c'est vous qui voyez. C'est à nous de prendre ce qu'on a besoin, on prend souvent ce qu'on trouve. Plus on passe de temps à explorer, plus nos points d'action vont baisser. On ne pourra plus rien faire en rentrant à notre abri et on devra passer au jour suivant, qui sont, je le rappelle, limités à 8. Au bout de 8 jours, on n'a plus d'oxygène et on meurt. Il faut donc choisir ses priorités pour accomplir nos 2 missions. Alors dans la partie abri, on pourra donc hacker les fameuses capsules qui nous donnera des pièces afin de réparer à 100% notre abri. Et dans le laboratoire, on pourra synthétiser des ressources alpha, bêta et gamma. Il en faudra 9 répartis comme on veut pour atteindre les 100% de carburant. Le jeu se présente sous forme narrative, entre guillemets, on nous explique textuellement ce qu'il faut faire. Le jeu est disponible en français par ailleurs, donc c'est plutôt pas mal et on choisit une zone à explorer afin de finir nos 2 missions dans une ambiance très science-fiction. Les décors à explorer sont assez grandioses et la jouabilité du drone est assez limitée. Le clic gauche pour accélérer et le clic droit pour freiner. Mais alors vous me direz, mais c'est nul comme jeu, elle est où la difficulté? Eh bien oui, enfin le jeu n'est pas nul, il est surtout très court. Pour finir nos 2 missions, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois, recommencer à zéro pour trouver la bonne méthode, choisir les bonnes ressources à ramener à l'abri. C'est aussi un peu basé sur le hasard puisque les capsules sont hackées aléatoirement. Si le jeu n'a pas envie de nous donner la pièce manquante pour finir à 100% notre abri, il ne nous la donnera pas. Après plusieurs essais, la partie est finissable en moins d'1 heure, mais pour y arriver, il va falloir facilement passer 2 heures sur le jeu pour trouver la bonne technique. Par ailleurs, on n'est pas vraiment seul dans les zones à explorer, il y aura des sortes d'ennemis, on les appelle des anomalies, des boules brillantes, qui sont soit passives, soit actives. Certaines nous attirent, dans tous les cas, il faudra les éviter, car elles peuvent détruire notre drone, et sans drone, pas de ressources, et donc fin de partie. Les anomalies ne sont pas super agressives, donc on peut facilement les contourner pour faire ce qu'on a à faire. Alors on va passer aux notes sur 4, donnant une note sur 20, même si c'est assez délicat de mettre une note sur ce type de jeu. On commence par les graphismes, ils sont très bons dans la partie exploration. On se retrouve perdu dans des environnements de canyons remplis de grosses machines en délabrement. Le level design est plutôt intéressant, on explore volontiers dans cette ambiance intrigante qui m'a fait penser parfois à Tatooine. Notre drone a parfois des spasmes visuels quand on s'approche trop des anomalies, donc ça c'est plutôt bien réalisé. La partie gestion est plus sommaire, mais l'interface est claire, on comprend assez vite ce qu'il faut faire. Donc direction artistique générale bonne, donc un 3 sur 4. Pour le gameplay, il est très restreint malheureusement, l'exploration et la gestion de ressources. Je pense qu'il s'agit d'une esquisse d'un futur plus grand jeu, car pour ma part j'ai trouvé le concept assez intéressant, et les mécaniques de jeu mêlant les balades en drone qui sont originales dans sa maniabilité, couplées à l'aspect gestion satisfaisante, malgré le côté aléatoire des capsules, mais bon, ça rajoute un peu de difficulté. C'est simple mais efficace, et je trouve le concept général très bon, qui pourrait donner un très bon jeu s'il était plus complet. Le titre reste quand même assez mou, il n'y a pas de combat, donc disons pour encourager les développeurs, je mets un 3 sur 4.
Alors le scénario, le background du personnage est aussi très restreint, ce sera surtout renforcé par une ambiance science-fiction agréable mais trop limitée, ça manque clairement de profondeur. La page de Steam nous parle de découvrir ou peut-être éviter la vérité sur les tragiques événements passés. Je n'en dis pas plus mais je donne seulement un 2 sur 4 car il manque indubitablement quelque chose. Oui, j'avais envie de placer ce mot indubitablement. La musique et les bruitages vont avec l'ambiance, c'est correct. Le ton science-fiction, mystère, atmosphère intrigante, c'est plutôt bon, donc 2 sur 4. Et enfin, le jeu est proposé à 6,99€ sur Steam pour maxi 3 heures de jeu et une toute petite heure une fois compris la technique pour gagner. Alors c'est pas cher, mais c'est surtout super court. 2€ de l'heure, rapport durée de vie prix très faible. S'il y avait plus de contenu, le jeu serait vraiment bien. J'espère que d'autres missions seront rajoutées par la suite. Mais bon, pour un jeu final comme il est présenté sur Steam, c'est insuffisant. C'est pas cher, certes, mais on a seulement 3 heures de jeu maxi, donc 1 sur 4. Breach obtient donc une note de 11 sur 20 pour ma part. Comme je l'ai dit, c'est pas évident de noter ce type de jeu. J'ai trouvé le concept général super intéressant, le jeu m'intriguait. Je n'ai pas tellement été déçu, mais cela manque clairement de contenu. J'espère que le studio prépare de nouvelles missions avec une difficulté progressive. J'en suis pas certain. En tout cas, pour ceux qui aiment la science-fiction, le gameplay mêlant exploration et gestion, et si vous avez 7€ à balancer, vous pouvez tenter l'expérience vidéoludique malgré la très courte durée de vie. Je crois que même regarder un let's play d'une heure ou juste avoir regardé mon opium découverte vous suffira à vous faire une idée du titre sans pour autant l'acheter ou l'essayer. Ce n'est pas non plus super indispensable. Au moins vous savez maintenant que le jeu existe et ça vous fait une belle jambe. Ainsi s'achève cet opium découverte assez court. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao.